Près de 4000 personnes, gros succès pour cette boxe thaï. On va commencer nous par un championnat d'Europe des moins de 63,5 kg entre un Parisien, Skarbowski, et un Lyonnais, Marouf. Et on retrouve les deux hommes presque une heure avant le début du combat. Reportage Christian Delcourt, Jean-Paul Maillet, Olivier Cocatrix. Salut, vous me reconnaissez? Pourtant vous m'avez sur le dos toute la journée. Je me présente, je m'appelle Jean-Charles Skarbowski, je suis étudiant en seconde année d'ostéopathie. Et attention, parce que le soir, je me change complètement, je me transforme, c'est-à-dire que je mène en fait une sorte de double vie. Pourtant, malgré ce qu'on pense, je ne suis pas un héros. Hein. Je vous chantais une petite chanson. Je ne suis pas un héros. Sans déconner. Donc le soir, quand je range mon habit d'ostéopathe, je deviens... Oui, donc je pratique la boxe thaïlandaise à mes heures perdues. Je suis actuellement champion d'Europe et donc je vais boxer ce soir. Et je vous promets que ça va être une sacrée soirée. Jean-Charles Skarbowski, une double vie. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Maintenant, moi, j'ai qu'une seule vie, c'est la boxe. Gagner, gagner, gagner. Surtout quand il y a un titre en jeu, je ne me laisse pas faire. Je ne me suis pas déplacé pour rien. Et on verra ça sur le ring. Et revoici... nos deux hommes, Jean-Charles Skarbowski, opposé à Kader Marouf et son bras droit. Jean-Charles Skarbowski n'est peut-être pas un héros, mais il est champion d'Europe. Et c'est pour ce combat de boxe thaï en 5 reprises de 3 minutes qu'il va défendre ce titre face à Kader Marouf, ce boxeur de 22 ans. Au palmarès de 16 victoires pour 3 défaites. Kader Marouf, qui, première particularité Christian, est gaucher. Il va donc boxer la jambe droite et le poing droit en avant. Ce qui peut poser un problème à Jean-Charles Skarbowski. Kader Marouf qui est également détenteur d'un titre européen, mais en kickboxing cette fois, c'est-à-dire bien entendu sans les saisies et les coups de genoux. Une rencontre donc qui était inévitable entre les deux Français et les voilà réunis ce soir donc sur le ring de Levallois. Le middle kick doublé de la part de Kader Marouf. Morphologiquement, Kader Marouf dégage une plus grande puissance, notamment en haut du corps. Skarbowski est plus grand. 1m73, 3 cm de plus que Kader Marouf. Une plus grande allonge surtout. Pour l'instant, c'est Kader Marouf qui a surtout pris l'initiative, bien que maintenant, Skarbowski est en train de répliquer plus durement qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Et surtout, voilà, il sort ses enchaînements de points et il a touché avec sa droite. C'est allé vite, c'était bien fait. Ça fait mal également du côté de Kader Marouf quand il travaille avec les poings et avec son direct du gauche. Oh, la droite avait jailli de la garde de Skarbowski. Heureusement, elle a été esquivée par Kader Marouf. Aïe, Skarbowski, il ne faut pas l'oublier, il a quand même signé 22 de ses victoires sur KO. Sur 26 victoires, c'est un sacré pourcentage. C'est énorme. Alors ce qui est étonnant, Christian, quand même, quand on regarde Jean-Charles Skarbowski, c'est qu'il ne dégage pas cette impression de puissance, et pourtant... On l'a vu à quelques reprises durant cette première reprise, voilà, comme sur cette droite, ça va très vite, ça jaillit en fait de sa garde. On le retrouve, Jean-Charles Skarbowski, dans son coin. Ça va? Ça va?
t'as fait mal? Non, ça va? La condition? Quoi? Bon, qu'est-ce que tu fais là? Mais ne bouge un peu, tu te prends de l'inquiétude. D'accord, tu bouges, hein? Ce n'est jamais très bon. Et d'autant plus qu'on voit bien que l'hémorragie nasale est importante. Voilà, maintenant je veux que tu bouges un peu. Respire bien. Voilà, gentiment. Mais ne reste pas, tu cherches la bagarre. C'est bien, tu rends coup pour coup. Mais fais pas la bagarre, laisse un petit peu encore. Comme on a dit, Jeannot, tu n'utilises pas assez ton front kick et le direct du gauche, je le vois jamais. Et tes bras. Je vois jamais les bras. Là, j'aime avec la dos, Jeannot, hein. D'accord. Un petit peu d'eau, respire bien. Jean-Charles Skarbowski du Siam Boxing. Voilà, c'est bien. Dans le 12e. Et avec son entraîneur, André Zaitoun. Tu rentres la tête, je troque en direct du gauche. Il ralentit quelques phases de la première reprise qui annonce un combat très dur pour les deux hommes. Allez, on est en place pour le début de la deuxième reprise. Et les dés ont été jetés dans le premier round. On sait que du côté de Skarbowski, le danger peut venir d'une longue droite plongeante. Et il a d'autres ressources, évidemment. Quant à Kader Maarouf, lui... Oh, mais c'est une hémorragie nasale extrêmement importante. Oui. Et qui va obliger l'arbitre... Non, on pensait peut-être à demander le médecin. C'est en train, en attendant, de gêner le champion d'Europe en titre. Qui, voilà, est en train... de s'essuyer avec son poing gauche et ça forcément ça démobilise dans son corps. On est parti très rapidement retourner au vestiaire. Oh oui, et en tous les cas un très bon gauche et c'est son poing le plus puissant de Kader Maarouf qui a encore touché Jean-Charles Skarbowski. Et le sang qui coule toujours énormément. L'un de ses hommes des coins est donc parti au vestiaire chercher un produit forcément qui ne sera toutefois pas miracle. Voilà, une fois de plus, Jean-Marie Merchet est l'arbitre de ce combat. L'interrompt quelques secondes. Voilà, il faut faire avec, il a été touché. Touché au poing. Jean-Charles Skarbowski va avoir du mal à récupérer. Il ne va pas récupérer. Oh, il va falloir être vigilant, monsieur l'arbitre. Attention, oui. Les middle kicks maintenant de Kader Maarouf vont évidemment se concentrer sur le foie. Skarbowski n'a pas récupéré, ça c'est une évidence. Mais il faut maintenant que Kader Maarouf puisse toucher une nouvelle fois efficacement. Oh là là, il n'est plus du tout dans le match, Skarbowski. Avec ce direct du gauche qui est arrivé pleine face. Et Skarbowski qui n'arrive plus à endiguer les assauts. Il faut que l'arbitre soit vigilant et même prêt, dirons-nous, à arrêter le combat. Car Skarbowski est touché, bousculé, dominé. Et ça en devient presque une punition dans cette deuxième reprise. Incroyable même de résistance, tant il est sous les grès de coups de Kader Maarouf. Kader Maarouf qui se donne même un petit répit car il ne sait plus très bien où il doit frapper car il a essayé beaucoup de choses dans ces dernières secondes. Il est clair que la région du foie est certainement la plus sensible encore chez Jean-Charles Skarbowski. Après ce terrible middle kick qui a forcé l'arbitre, monsieur Merchet, à le compter. Il prend énormément de coups, le champion en titre, mais il est toujours là. Et avec ce courage, cette détermination, il arrive à tenir. Il va falloir aller écouter dans son coin. Jean-Charles Skarbowski est au bord de l'épuisement. Bouge, respire en même temps. Laissez-le respirer. Gentiment. Jeannot, elle est où ta gauche? Elle est où ta gauche? Tu m'attrapes pas son middle? Attendez, attendez. Laissez-le respirer. Ça va, Jeannot? Comment tu te sens? Franchement, demain dans l'arrivée. C'est bien. Mon moral, Jeannot? Ouais. Jeannot, envoie ta gauche, s'il te plaît. Quoi? Tu me découpes pour rien. André, je peux lui poser une question? Regarde-moi, Jean-Charles. Est-ce que ça va? L'action, ouais. Voilà. Eh, un combat, c'est pas important. On peut en faire un autre. Qui touchait le foie. Est-ce que ça va? Ça va. Non, mais dans ta tête, ça va? Ça va. T'es sûr? Alors, écoute-moi, fais-moi plaisir. Lève les bras. Lui, il fait des accélérations. Quand il fait ses accélérations, ne rentre pas dans son jeu. Tu as compris? André, tu me donnes
et boxe un peu plus bouche. En accélération. D'accord, petit, mais lève les bras et évite de prendre des coups. T'as compris? Le middle qui fait toujours très mal. D'ailleurs, c'est le même coup qui l'a plié. Et c'est là-dessus que Jean-Charles Karbowski a été compté et a commencé ce qui fut, on peut l'appeler, son calvaire lors de cette seconde reprise. Qu'est-ce que tu fais? Tu récupères pendant une minute, d'accord? Tu lèves les bras et essaye de travailler plus. Nous entendons Samy Kepchi qui est venu lui donner les ultimes conseils qui, on l'espère évidemment, lui permettront de se sortir de cette problème, situation. Le problème, c'est qu'il laisse travailler. Alors, il est obligé de te dépasser. Crâne, on fait plus en accélération avec les poings. Okay. D'accord, mon petit? Alors, est-ce que Jean-Charles Skarbowski a-t-il récupéré de ce knockdown et de ce dernier direct du gauche? La réponse dans cette troisième reprise. En tous les cas, c'est carrément le quitte ou double pour Skarbowski maintenant. Il a raison de mettre immédiatement la pression. Il ne faut pas que Kader Marouf puisse s'exprimer. En tous les cas, c'est ce que considère le coin de Skarbowski, bien évidemment. Quant à lui, Marouf, eh bien, il doit continuer à capitaliser sur le gain du round précédent. Et puis chercher encore une fois cette région du foie qui lui a porté bonheur avec le middle kick qui avait forcé donc l'arbitre à compter. Oulala ! Oui, dans l'enchaînement, il a failli avoir un coup au visage pour Skarbowski. Un gauche encore pour Marouf sur une tentative d'high kick de Skarbowski. Il a été contré. La différence de visage entre les deux hommes, la lucidité qui se vit sur celui de Marouf et la fatigue, l'extrême fatigue sur celui de Skarbowski, touché. Et là, c'est au mental, au courage qu'il est encore sur le ring, debout. Il reste 1 minute 30 dans cette troisième reprise. Samy Kepchi lui avait demandé de récupérer pendant une minute, mais récupérer face à Marouf, ce n'est pas du tout évident. D'autant plus que, on l'a vu maintenant, Marouf continue de chercher le flanc exposé de Skarbowski, de son flanc droit donc. Encore touché, un seul coup, mais quelle puissance dans ses poings de Kader Marouf. Et il le sait, il continue et il touche avec ses directs. Que ce soit le droit ou le gauche d'ailleurs. Ce qui est tout de même remarquable, c'est de voir dans le regard de Jean-Charles Skarbowski, eh bien, la recherche d'une solution, la recherche d'une possibilité pour, à son tour, affaiblir, amoindrir Kader Marouf dans ce combat, pour remettre un petit peu les compteurs à zéro et continuer le combat sous de meilleurs auspices. Mais les coups ne partent plus du côté de Skarbowski. C'est à l'énergie. Et pourtant l'accélération, c'est lui qui la donne dans cette fin de troisième reprise, démontrant que tout est toujours possible quand on a l'énergie, la vaillance. Attention à ce dernier coup. Et il revient épuisé dans son coin, Skarbowski. Marouf, lui, elle l'est aussi. Lui que l'on semblait avoir vu plus frais dans le début de cette troisième reprise, il est aussi éprouvé, notamment Jean-Paul, par cette dernière série. Oui, ultime série avec enchaînement de points et de coups de genoux. On le voit très très bien, là, formidable, le plan de caméra, où on voit donc l'enchaînement au corps et puis ce dernier coup de genou au visage et la séparation des deux hommes par Jean-Marie Merchel, arbitre. Incroyable que Skarbowski puisse revenir d'une telle épreuve. Et voilà, cette gauche de Kader Marouf
qui a été nous rechercher Thierry Burgalière qui réalise ce soir à Levallois dans le coin de Kader Marouf. T'as vu tout ce que t'as fait Kader, les conseils de René Desjardins. Kader Marouf qui est venu en toute confiance chez les frères Desjardins au Derek de la Courneuve car il était à Lyon et là-bas c'est vrai qu'il n'y a pas de grande structure. Et c'est son ami Jackie Gerbet qui lui avait conseillé de monter sur Paris. Et bien, a priori, il a bien fait. Et il est marqué, vous voyez, avec cet œuf de pigeon en dessous de l'œil gauche. Et on arrête du côté de Kader Marouf. C'est incroyable ce qui se passe sur ce ring de Levallois. Jean-Charles Skarbowski est fou de joie. Il était fatigué. Et c'est Kader Marouf qui est arrêté, stoppé sur blessure dans son coin. Quel championnat d'Europe! Oui, on peut dire que c'est un championnat d'Europe complètement étonnant. Non seulement il a prouvé la réelle valeur des deux combattants, car on a vu Jean-Charles Skarbowski revenir très très bien à la fin de la troisième reprise, et on pouvait même s'attendre finalement à la quatrième à ce qu'il reprenne l'ascendant. Et puis quant à Kader Marouf, eh bien, il n'y a rien à dire. Il a fait un superbe match. Il a dévoilé ce soir au public de Levallois qu'il était un très grand combattant et qu'il méritait carrément sa place au niveau européen. Il y aura très certainement une revanche, Christian. Et la détresse sur le visage de Kader Marouf, la détresse et la fatigue, les deux hommes nous ont offert un superbe combat et ils méritent bien l'ovation du Palais des Sports de Levallois. Jean-Charles Skarbowski, vainqueur donc de ce championnat d'Europe et que l'on va retrouver à nos côtés juste après la décision. Et déclaré vainqueur par abandon à l'appel de la quatrième reprise et donc toujours champion d'Europe, Jean-Charles Skarbowski. Voilà, et on se retrouve avec Jean-Charles. On a l'impression que vous êtes revenu pratiquement du fond. Vous étiez blessé, touché. On a pratiquement cru que vous étiez au bord de l'abandon. Non, mais j'ai jamais eu aussi mal. C'est le plus dur combat. Vraiment, mon adversaire était d'une grande valeur ce soir. Et je m'estime peut-être pas chanceux, mais je suis vraiment très content d'avoir gagné. Quoi. C'était vraiment limite. C'est vrai que j'ai failli... Je peux pas dire que j'ai failli abandonner, mais le coup au foie était tellement fort que j'ai... Ça va, merci. Le coup au foie, on va le revoir avec Thierry Burgalière, voilà qui réalise. Franchement, j'ai pu respirer là. C'est la première fois que ça me fait ça de tous mes combats, 33 combats, j'ai jamais eu aussi mal. Hein. Franchement, j'ai eu peur. En plus, c'est pas le premier coup qui me visait au foie, mais plein dans le bras et ça me fouettait le bras contre le foie et ça me coupait la respiration à plusieurs reprises. Et au début, j'essayais de pas le montrer, mais finalement, là, c'était trop. Là. J'ai dû coucher. Alors, vous nous disiez avant ce combat, vous n'étiez pas un héros. On rigolait, on blaguait un petit peu. Ouais, ouais. Mais justement, il faut quand même l'être un petit peu. Il faut avoir un courage, une détermination extraordinaire pour tenir dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'avec, je me suis tellement entraîné pour ça avec mon professeur André Zetoun, que je présente ici, là, on avait tellement donné pour ce combat que je pouvais pas me permettre d'arrêter, ne serait-ce que par respect pour lui et pour le public qui est venu voir ce soir. Un boxeur ne doit pas arrêter, ça c'est le bras là. Un boxeur ne doit pas arrêter, tant qu'il peut tenir sur ses deux jambes, il doit rester debout. Quoi. Et vous l'avez prouvé justement avec Kader qui est à nos côtés. Kader, cet arrêt, l'explication en fait. Bah, c'est un coup qui est venu inattendu quoi. J'étais en train de boxer quoi, normalement je dominais quoi. Et dernier moment j'ai ramassé un coup de genou. Et sur ce coup de genou donc j'ai même pas pu faire attention parce que j'avais pas remarqué de temps premier. Bon, ce qu'il y a c'est que j'avais pas trop d'entraînement donc je suis pas entraîné normalement. La blessure à l'œil, c'est cassé. Non, je crois pas, je sais pas. Enfin, c'est une belle blessure, quoi. Alors, à quel moment, Kader, vous avez senti que ce combat vous échappait finalement? Parce que si pendant la minute de repos, le médecin n'était pas venu, vous auriez repris pour la quatrième reprise. Voilà, ouais, normalement. Mais le médecin a dit d'arrêter. Donc j'ai arrêté.
Et sur ce, c'est dommage parce que je dominais, je gagnais. Mais bon, il y aura une revanche.